La communauté de communes Châteaubriant Derval a lancé une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui se déroulera de 2020 à 2025 avec l'aide de l'Agence nationale de l'habitat. Son ambition, améliorer la qualité des logements des habitants du territoire et les accompagner financièrement et techniquement dans leurs travaux de rénovation. Une enveloppe d'aide publique aux travaux de 6,8 millions d'euros est prévue pour améliorer près de 660 logements. La mise en œuvre de l'OPA et l'accompagnement des particuliers dans leur projet a été confié à Citémétrie. Votre logement est situé sur l'une des 26 communes du territoire de Châteaubriant-Derval. Vous pouvez prétendre aux aides de l'OPA si vous êtes propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou syndicat de copropriété. L'OPA finance plusieurs types de travaux. Les travaux de rénovation thermique, comme l'isolation des combles, de murs, le remplacement de menuiseries extérieures, du système de chauffage ou de ventilation. Les travaux d'adaptation dans le logement au vieillissement ou au handicap, il s'agit principalement d'adapter les sanitaires, la salle de bain, en remplaçant une baignoire par une douche à l'italienne, ou d'adapter aussi l'accès au logement avec la création d'une rampe, par exemple. Le troisième volet concerne les travaux de réhabilitation de logements dégradés par une mise aux normes globales, travaux d'électricité, réfection d'une toiture, d'isolation, sanitaire. L'OPA permet de financer aussi les travaux de rénovation des parties communes des copropriétés dégradées. Et enfin, les travaux concernent aussi les ravalements de façades si le bien est situé en centre-ville ou centre-bourg. Mes parents âgés sont propriétaires d'une maison ancienne sur la commune de Juigné-les-Moutiers. L'objectif de mes parents, c'était de remplacer un chauffage central qui datait de plus de 50 ans. Je me suis déplacé dans les locaux de Citémétrie, la maison de l'habitat à Châteaubriant. C'est Madame Solaire, chargée d'opération chez Citémétrie. Elle m'a proposé trois scénarios avec les aides à la pluie. Mais sans cette opération OPA sur le pays de Châteaubriant, mes parents, avec un revenu modeste, ne pouvaient pas faire face à une telle dépense qui est de l'ordre de 25 000 euros. Vous souhaitez engager des travaux de rénovation ou d'amélioration dans votre logement et savoir si votre projet peut bénéficier des aides de l'OPA? Contactez Citémétrie, missionnée par la communauté de communes. Du premier rendez-vous jusqu'au montage administratif de votre dossier, la communauté de communes et Citémétrie vous accompagnent dans vos différentes démarches.